frappeurs disponibles début juillet, hein, d'ici le 15 juillet. Et ensuite, on verra s'il faut poursuivre, notamment pour la fin de l'année, parce qu'évidemment, les défaillances d'entreprises qu'on va devoir malheureusement enregistrer, elles n'auront peut-être pas lieu tout de suite, elles auront peut-être lieu en seconde partie de l'année. Donc l'idée, c'est une mission flash rapide qui va se déployer. La jeunesse du Guémont a répondu présente à cette rencontre de mobilisation initiée par les jeunes leaders ouais de la commune d'Abobo. Dans son adresse, Gouzana Ounou a salué les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Elle a exhorté les jeunes à être des acteurs de paix, à s'unir afin de trouver solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Message bien perçu par la jeunesse qui entend s'inscrire dans la vision du président de la République Alassane Ouattara. En tant que nièce yougan dans la culture, ouais, je me dois de sensibiliser la jeunesse, de demander à la jeunesse d'être des acteurs de dialogue, de cohésion sociale, de paix durable, de se mettre à la disposition de la République, à respecter les institutions républicaines et à construire des projets pour bénéficier de ce programme qui tient cher au président de la République, Alassane Ouattara, 500 000 emplois pour la jeunesse et pour la femme, que les jeunes du Guémont soit parmi ces 500 000. Nous allons accompagner pour pouvoir former les jeunes et les femmes du Guémont à l'entrepreneuriat en utilisant la méthode à zéro franc. Comment démarrer une activité génératrice de revenus sans qu'on ne vous donne l'argent initialement? Être ensemble au-delà des chapelles politiques et religieuses, surmonter les traumatismes et éviter les barrières idéologiques afin d'impulser le développement de la région du Guémont. C'était là l'un des messages annoncés à cette jeunesse par Gouzana Ounou, fille de la région. Gouzana Ounou entreprendra très prochainement une visite dans le Guémont pour véhiculer les idéaux de paix et de développement. Je vous remercie.
Le grand frère ici présent,
Et je vais demander de me passionner le président Lansina Kourounou, président de l'Union nationale à Togo. Il est membre de la plateforme des organisations de jeunesse à Togo et se réfugie la POJA. Nous formons une famille. Et il y a aussi le représentant du président de la force 2015, M. Diaby Bakaramoko, qui est présenté ici par le secrétaire général, le président du secrétaire général, aussi membre de la POJA, voilà, la plateforme des organisations de jeunesse à Togo. J'étais aussi à remercier le fédéral du canton Wombly Nyondrou, M. Bli Assel, qui est présent. M. Pierre Delvin, vice-président de la jeunesse, ouais, bravo. Naturellement, le doyen, Baou Victor, merci bien, cher papa, merci pour votre présence. J'ai tenu à vous remercier parce que ce n'était pas facile. Nous sommes là depuis ce matin, sous cette pluie battante. Mais nous avons tenu à rester, à attendre notre soeur, notre fille, qui va devoir nous donner un message tout à l'heure. Un message de paix, de rassemblement. Étant elle-même fille de la commune d'Abobo. Et dans la journée, on sent qu'elle vient d'Abobo. On sent qu'elle vient d'Abobo. Par Abobo, tout commence. L'histoire de notre pays nous a démontré que ce n'est pas ici que tout commence. Raison pour laquelle elle a tenu à commencer sa tournée par Abobo, et c'est à saluer. Au nom de l'autorité de la commune, avec à la tête du premier magistrat, M. Abel Bakayoko, sous sa bénédiction bien sûr, parce que nous sommes à la mairie d'Abobo, appréciez M. le maire, Abel Bakayoko. Alors, chers parents, je ne vais pas reposer la parole plus longtemps. Je pense que je vais pouvoir laisser Madame Naomi prendre la parole. Sur ce, je tiens à vous remercier. Merci. Merci. Bon air d'applaudissement pour le président du Conseil d'Abobo, M. Thierry Bourdi, l'initiateur de cette rencontre. C'est une rencontre de Chris Sabo, mais aussi des ressortissants et de la jeunesse du Clément, avec leur fille Naoudou Douza, que nous allons encore applaudir tout à l'heure. Elle va prendre la parole parce qu'elle a un message envers la jeunesse, elle a un message pour nous les jeunes, elle a un message pour les femmes, elle a un message pour Abobo, elle a un message pour la Côte d'Ivoire. Sans plus attendre, sans plus attendre, nous allons demander encore un silence à tout le monde.